Là, on vient de passer le bouchon là, le trafic là. Ouh, les gars, j'ai dormi. Avec le soleil, j'ai dormi carrément là. J'ai sorti le véhicule, allez vite, j'ai dit, oh là, on est passé. On a passé peut-être pas 30 minutes là-bas, peut-être. Ouais. Oh, 10, non, plus 10 quand même. C'est parce que j'ai dormi là. J'ai dormi. Ah, je transpire, il fait chaud. Là, je suis levé. On s'approche là, on s'approche. Hein. C'est ici qu'on achète les vénères. Là, vous avez déjà. Bon, ouais, déjà là, on a déjà demandé les prix. C'est ici qu'on va acheter les. Les fûts là. Ah, les gros fûts là. C'est ça qu'on va acheter ça. Alors, Amber, on va pratiquer justement. Là, nous sommes arrivés dans le quartier Akanda. Ou bien. Akanda ou quoi encore? Ngondje. Ngondje. Ngondje, Akanda. On est en train de traverser Libreville, là. On va du fond au fond. Hein? On va pas du fond au fond, on n'était pas au Vendo. Mais on va quand même une bonne partie de Libreville, là, traverser le centre, on est de l'autre côté. Nous sommes en Ngondje, Akanda. Ils disent que c'est le plus beau quartier. Bon, je ne vois pas en quoi, mais c'est pareil pour moi. C'est quand même mieux construit. Ils ont aussi les marins. Ah. C'est quand même mieux construit. C'est ici là où les grands types de Libreville habitent. Un nouveau quartier. Yeah. Donc les gens essaient de construire proprement les routes, les maisons. Nous sommes au rond-point. C'est une onde là-bas. La route là amène la présidence en fait. Quand tu prends le rond-point, ils voient des barrages là-bas là. On va voir, mais ils voient des barrages là-bas. C'est des policiers qui barrent la route pour aller à la présidence. Bon, mais ça, tout ça, on va faire après. Regardez. Wow. Allez, là on part vers Akanda. Donc notre chantier est vers ici. Le nouveau quartier. Ah oui, il fait bon vivre. C'est les bouteilles qu'on va aller créer les abreuvoirs là. Chantier là-bas. Ouais, on n'a pas le choix. À cause, la route n'est pas bonne. On peut marcher, mais pour avec la voiture là, c'est pas bien. Regarde là, c'est. Le truc qu'on va amener avec nous. Là, on est en tenue de chantier. Ça va être chaud aujourd'hui, hein, les gars. On va aller bosser. Hein. Allez, là, je suis habillé en tenue de combat. I'm in my combat uniform. We're getting to the farm. Get some work done, yeah? I'm going to put my mask on. Let's go make my mask. I look like a bad guy. Là, je ressemble à un bad man, yeah? Regardez. Allez. On est parti. Moi, j'amène quoi? Oh, moi, j'amène rien. Bon, les gens... Oh, c'est où? C'est où? Je vais prendre. C'est où? Ok. C'est bon? C'est bon. Allez, on est parti.
Yeah. Allez, on se retrouve à la ferme. Hein. Tu es sûr? Je non, moi. Nettoyer, toi, tu sais faire ça? Tu as déjà fait ça? Non. Mais comment moi, je vais t'apprendre? Moi, c'est pas la blague. Moi, quand j'engage quelqu'un, c'est pas pour blaguer. Hein. Mais tu me demandes. C'est pas après demain, tu n'es pas là, demain, tu es là, non, je suis malade, je suis mal, madame. Non, je n'aime pas ça. C'est la vie, c'est la vie. Peut-être le dimanche, il y a. Non, moi, je veux quelqu'un qui est là. Constamment. Moi, c'est là, aussi là. Et constamment, qui va habiter même là-bas. Non. Hein. Là, en train de construire, tu vois, en train de construire une petite maisonnette, une cabane. C'est pas une cabane, c'est une maison qui est à côté. Les deux chambres salon qu'on doit aménager. Tu as vu ça, non? On va aménager ça. On va mettre les portes, le ciment en bas, la dalle. On va installer la lumière, les panneaux solaires, donc tu auras l'électricité. Et puis bon, la personne habite là-bas. Mais j'ai un technicien qui vient pour t'apprendre. Lui, il vient tous les matins, il t'apprend, tout ça se va faire. Et lui, il part, et la journée, la personne qui est là ne fait que donner la nourriture à une certaine heure. Donner la nourriture, donner de l'eau à une certaine heure. Mais lui, tu vois, lui, le project manager, manager de projet, celui qui est devant, lui, il sera là, c'est le boss, il sera là tout le temps. Okay. Et puis il y a une autre dame aussi qui travaille avec lui, qui sera aussi là. Mais on a besoin d'une seule personne qui peut s'occuper des poules. C'est tout. Moi, je suis là. Bon, on va parler. Tu as le numéro de téléphone? Oui. Bon, les gars. Là, j'ai déjà trouvé quelqu'un qui j'ai consigné. Élie. Qui est intéressé, Élie. Élie qui est intéressé à de faire la ferme. Donc, je prenais ton numéro. On va bien parler parce qu'on doit parler sur des trucs plus sérieux. Là, on part souvent en route. Là, donc, on parle. Sérieusement. Ok les gars. Bon, on continue. Là, on passe dans les maridos là. C'est compliqué. Hein? Moi, je prends ça là. Yeah. Le style. Il est où Yann? Il marche vite. Hein? Mais comment vous faites quand vous êtes là-bas? Il n'y a pas les toilettes. Si vous voulez aller aux toilettes, vous les faites comment? Ah, ça c'est bien fait. C'est bien. C'est comme ça que je fais là-bas. Mais non, on va construire les toilettes là-bas. C'est pour ça qu'on voulait prendre Djibril, le maçon, qui vient nous montrer où on peut mettre. Mais Yann est où? Oh, lui, il fait ça. Non, lui, il est trop cher. Lui, il connaît, il est trop cher. Il sait. Les petits trucs là, il exagère. Avec les prix. Tu montes les briques. Ah, on ne veut pas les trucs mal faits, hein. On veut les trucs bien faits. Hein? On marche vers les chantiers. On va faire les travaux. Il va aller en s'avancer derrière. La prime avant derrière. Ouais. Là c'est vieux bal, là c'est Yann, là-bas c'est vieux bal derrière. Là-bas c'est un des ouvriers avec Canal+. Lui c'est l'aide maçon, le maçon celui qui est devant. Bon, les gars ils ont attendu depuis 8 heures, hein. C'est pas bien. Aujourd'hui on a fait le villageois quoi. On a quitté la maison à 8 heures, on est arrivé ici. Il est 1, 2, 3, 4, 5, il est midi. C'est fou hein, les gars nous ont attendu 4 heures. Hein Yann, on a fait le village aujourd'hui. Yann vient à midi au chantier. Midi au chantier. Qui vient au milieu au chantier? Les gens viennent à 8h. Nous, on a quitté à 8h presque. Hein. Ouais. On a quitté à 8h. On arrive ici à midi. On perd le temps. On va chercher le carburant. Pas le carburant. On va chercher le pétrole. Oh, c'est pas possible. Les ouvriers étaient là à 8h. Ils nous attendaient. Hein? Là, ils ont dit, mais le gars qui est venu du state, là, vraiment, avec son équipe, là. Les patrons, là, c'est des faux. C'est que les patrons qui sont faux comme ça. Ils sont pas à l'heure. On arrive à Non, il est 2h, il est. On va sortir là, il serait 15h. Mais oui, c'est trop. Alors quand on devait venir 8h, pas à midi, on a fini. Là où nous, on arrive à midi. Hein? La maman n'est pas là, c'est ça, sa fille. Bon, la dernière fois, nous, j'avais pris le beignet ici, là. J'avais amené le corps de la dame. Mais la dame n'est pas là. On avait acheté 4 gobelets pour remplacer le corps qu'elle m'a donné, qui était déjà caché. Mais on va lui remplacer les 4 gobelets. Peut-être qu'on va pas là. La maman, elle est où?
à la maison. Ok, il faut lui dire, faut te rappeler, faut lui dire, le tonton là qui était venu des États-Unis là, il avait acheté la bouillie pour nous, avec le gâteau. Avec les beignets, j'avais amené le cop, j'avais amené le gobelet. Donc je lui ai ramené 4 gobelets pour remplacer son gobelet, ok? Il faut dire à maman, hein? Pour lui dire, on lui dit merci. Avec quoi? Le gobelet là, ça le couvert dessus. Hein? Ouais. Donc on a acheté les meilleurs gobelets. On a pris un, on a remis 4. Hein? Il faut dire à maman. Le frère du voisin. Le frère du voisin là-bas, là, votre voisin. Ok, allez, merci ma petite. Bonne journée. Allez, là, on est parti. Donc j'avais acheté les beignets ici la dernière fois. Les bons beignets, hein, avec la bouillie du maïs. Ouh, c'était houleux que j'ai mangé la dernière fois. Le cop que j'avais amené là, je l'ai amené avec moi. Je ne sais même pas où je l'ai mis. Donc j'ai dû acheter 4 autres cop qui étaient mieux qu'avant. Hein. L'autre cop était un peu coupé, cassé là. Mais là c'est brand new. J'en ai acheté 4 pour remplacer le 1 que j'ai amené. Et ceux-là qu'on a donné, là, ça a des couvercles dessus. Ça se ferme. Donc les clients qui vont voir ça, ils seront contents. Hein. Allez. Bon, là-bas, on arrive au chantier. On se retrouve tout à l'heure. Là, on est arrivé au chantier. On a pris la longue route. Les autres, ils ont pris le raccourci. C'est ceux qui sont déjà arrivés. Mais nous, on ne voulait pas traverser la rivière là-bas parce que il faut avoir de l'équilibre. La rivière là-bas, il y a juste un bois qu'ils ont mis pour traverser. Alors là, c'est trop compliqué. Donc, on a pris le bon chemin. Ils sont arrivés, ouais, c'est déjà ouvert. C'est maintenant qu'on arrive. Il traverse toujours. Oh, il est tombé. Il est tombé dans l'eau. Non, il traverse. Il traverse. On est encore au début, hein. Les tôles. Ouais, bien fermé les trucs. Ça a changé. Hein. Yeah, ça a changé. On espère qu'il va pleuvoir, comme ça on va bien voir ce que ça donne. Ne vous en faites pas les gars, chaque fois que vous avez la vidéo, vous aimez. Rien n'a changé. Ça va changer. À cause des pluies, ça nous embête un peu. Mais là, je crois que les pluies ont terminé, on espère. Ça, on a pulvérisé la dernière fois, ça c'est devenu sec, mais c'est toujours là, il faut couper. Non, là, c'est pas bon. Voilà. On va commencer à faire du travail ici, je crois. On va faire venir une machine, à tout prix. On va bien couper. Il y avait de la merde ici, il y avait de la saleté. Le gars a coupé la montagne là. Bon, ça va quand même. C'est là-bas qu'on va aménager. Moi, je vais rentrer dans le poulailler. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça fait bon vivre aussi. C'est du bon vent. Pas si chaud. Il manque quoi? Bon, les gars, c'est chaud là. On va. À quoi? On a la lame pour mettre là où les poules vont. On m'a dit que c'était pas maintenant. Là, c'est pas maintenant. C'est que le pasteur m'avait dit. On travaille une bonne fois. Est-ce qu'on travaille puis on va encore revenir? Quand je voyais, et puis ça collait pas, ça s'ouvrait facilement, vieux baladia, ça c'est la bonne qualité. Bonne qualité. C'est pas bon. Bon, les gars, là, nous sommes travaillés sur l'électricité. On va installer les fils électriques. La vieux bar, là, il est en plein travaux, en train d'installer son truc. Thank you.
machine avait lâché en fait. Et là, on a pris un professionnel qui vient nous couper. Et là, avec la bonne machine, quoi, avec la bonne machine. Là c'est du sérieux gars, hein, c'est pas l'appareil qu'on faisait avant là. Là c'est du sérieux. Bon les gars, là aussi on a quand même coupé. Regardez comment c'est propre. Il y a encore le serpent là-bas. Le quoi? Le serpent. Le serpent? Oui. C'est quoi serpent? Le serpent. Là-bas encore le bébé. Hein? Il ne mange pas le serpent. Le serpent. La gnoka. Oh, un piton. Vous allez manger ça? Oh, vous l'avez vraiment. Guys, they're going to eat a snake. Ils vont manger un piton, ceux-là. Ah, un serpent. Un serpent. Non, 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 là, il faut que je prenne la caméra, là. En haut, où? Non, en fait, moi, c'est, le problème, c'est l'eau. L'eau, c'est quoi? La pluie. Donc, il faut mettre ça à côté du béton, là. Comme ça, par exemple, comme ça. On va mettre ça en haut. Dans le mur, c'est la carré. Et puis tu déposes ton téléphone là-bas. Ou bien le mur là. Là, c'est le béton là. Hein? Là, c'est beaucoup de travail. J'entends pas. Comment ça, couper? Continue. Il y a beaucoup de travail. Vous ne l'avez pas arrêté. En fait, il faut quand même une petite lumière en fait. Pas... Oui, toujours. Non, c'est le caillou qui est tombé. Hein? Une pierre. Il a fait tomber une pierre. Je vais tirer tout le tout dedans. Je vais tirer tout le tout dedans à l'intérieur. Tout ça là. Mais avant, je ne peux pas tirer. Laissez-le manquer.
c'est bon, c'est comme ça. Oui, oui. On va couper. Oh, ok, ok. On coupe, on va prolonger. Laisse. Laisse-moi couper avant. Non, laisse, laisse comme ça. Laisse. Un petit peu pour rien. En fait, c'est un branchement en série. Non, non. La lumière d'ici donne ici. La lumière d'ici donne ici.